Bonjour à tous, Yannick avec vous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, nous allons faire des champignons. Voilà, champignons que j'ai cueillis tout à l'heure, voilà. Donc, différents modèles, et même des petits, qu'on fait avec des ballons en forme de cœur. Alors, les champignons, c'est simple à faire, mais il faut quand même la technique. Donc, il vous faudra pour cela un ballon. J'ai reçu des ballons avec des petits pois dessus, blancs, tout fait, donc c'est drôlement pratique. Un ballon 260 de la même couleur. Un ballon rond 5 pouces, voire plus petit, 5 pouces, 8 pouces. Et un morceau de ballon 350 pour faire le pied du champignon. Voilà. Une petite baguette, un ciseau, etc. Alors, dans un premier temps, nous prenons le ballon 260. Et nous le mettons dans le ballon, comme ça, voilà. Et dans un premier temps, nous allons gonfler le gros ballon. Voilà. Une fois que ce ballon est gonflé, nous allons gonfler le ballon 260. Donc ce ballon va se gonfler à l'intérieur. Voilà. En fait, le ballon 260 fait le tour comme ça du ballon. Alors ensuite, nous récupérons l'excédent du ballon 260. Voilà. Nous avons les deux morceaux. Voilà. Et ensuite, nous attachons ces deux morceaux du ballon 260. On coupe l'excédent. Et en nous laissant à l'intérieur. Alors maintenant, il s'agit de mettre le ballon qui est à l'intérieur, le ballon 260, à l'horizontale et de dégonfler le gros ballon. Voyons, un peu comme ceci. Et ça nous fait comme ça un genre de galette avec ici. Voilà. Alors ensuite, nous prenons cette baguette, comme à l'intérieur du ballon, 5 pouces, 8 pouces, et on met à l'intérieur du ballon à pois. Voilà. Et ensuite, on gonfle le ballon. Alors ici, nous avons les ballons en poids et le ballon que nous venons de mettre ici. Et on gonfle celui-là. Et là, tout doucement comme ça. On peut gonfler encore un petit peu. Voilà. Nous avons une chose un peu comme ça. Et là, et bien, nous mettons. Donc on baisse le ballon.
un petit peu. Alors, faut le travailler simplement un petit peu comme ça. Et pour ne pas avoir une grosse forme ici, on le dégonfle un peu. On attache le ballon 8 pouces. Enfin, on fait un nœud plutôt. Et on coupe l'excédent. Voilà, il nous reste maintenant. Et là, on pousse bien dessus. Pour avoir une belle forme comme ceci. Nous faisons un nœud avec le ballon principal, donc le ballon avec des poids. Et nous enlevons, non pas la totale partie, mais le bout. Puisqu'il faut laisser quand même un morceau, comme ceci. Nous prenons un ballon 260 blanc. Comme ceci. Et là, nous faisons deux boucles d'oreilles, pas très grosses. Voici une. Voici. Comme ceci. Ensuite, avec l'excédent, on tire dessus, on fait un nœud. Et on coupe. Et avec cette partie, on appuie sur cette partie pour que, enfin, la queue du champignon, la base, soit un peu plus grosse. Voilà. Voyez-vous, comme ceci, la base est plus grosse que le bout, comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Simplement à fixer ce champignon sur le pied. Nous avons comme ça un magnifique champignon. Voilà, on a tout plein de jolies couleurs. Un champignon. Bon, maintenant, je vais faire une petite soupe aux champignons. Je vous dis merci, au revoir, à bientôt. Merci.